Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est midi 9. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Allons-y avec une première carte. OK, c'est bon. Encore cette carte. Donc, on est face à plusieurs possibilités. On a le choix. On a une décision à prendre. Que veux-tu au juste? Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Bon, ici, la nature, la forêt, l'énergie, peut-être qu'on a besoin d'aller se ressourcer dans la nature, s'ancrer. Fascination. Fasciné par la vie, par la nature. Fascination. Le vrai. Continuons. Vérité dévoilée. Changement important. On se libère d'un passé, on change de vie, on se pardonne si on a quelque chose à se pardonner. On a accès à la vérité. C'est franc. Là, je regarde le bois. Bois franc. C'est franc. Intuition. Ton intuition te guide. Te guide à mettre quoi? Ici, c'est le silence que je rencontre. Silence. On a besoin de silence. Oui. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte sur donc on a accès aux faits, à la vérité. C'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Il y a une libération. Silence radio. Silence. C'est comme si on n'avait plus rien à rajouter. On a accès à la vérité, le dévoilement des faits. Je vais déposer une carte ici. On n'a plus rien à se dire. On dirait que c'est ça. On n'a plus rien à se dire. On est dans le vrai. On est rendu à prendre une décision. On n'a plus rien à se dire.
On dirait que je ressens un calme intérieur. Spécial. Message, communication. Et ici, on me parle de non-communication, trouble, difficile à communiquer, problème de communication. Et là, on me présente la lettre, un message. On attend une communication. Donc, en ce moment, on nous parle de silence. Continuons d'explorer. Vérité, fait dévoilé. Intuition, la carte qui nous dit « Reste en contact avec ta vérité, ton intuition te guide. » Écoute. Calme. Calme mental. Écoute. On a accès à la vérité. Au vrai. Ici, absence de communication. On attend le retour d'un message. On attend le retour de la communication. On est dans l'attente ici. On attend avant d'envoyer un message. Continuons l'histoire. Eh bien, le voleur qui se présente. Prêt, prêt, il est prêt le voleur. Je vais aller explorer le voleur. Il me suit partout, le voleur. Continuons. Allons explorer le voleur. Que veut me dire le voleur? L'eau à l'envers, troublé, souci, ennui dans sa relation actuelle. Il est engagé, le voleur. Des ennuis. À qui? Il est associé à qui? Avec qui s'est-il associé? Donc, partenariat, mais ici, trouble, souci, ennui. OK, attendez. D'après moi, ce voleur a eu des mauvaises expériences en couple. Il a peur de s'engager. Il a peur de s'engager. Bon, pourquoi on me le présente comme étant le voleur? Ici, est-ce qu'on veut me dire le voleur, le fraudeur, ou bien... est-ce qu'on veut me parler de quelque chose qui lui prend beaucoup de son énergie? C'est peut-être ça aussi. Le couple, ça lui demande beaucoup. Un vol d'énergie. Une peur de s'engager. Il ne veut plus de problème. On ne veut plus de problème. Il y a quelque chose ici qui nous prend de notre énergie. Comme on pourrait me parler d'un voleur dans le trouble? En partenariat avec qui? On n'est plus en communication aussi. On a des problèmes.
on ne communique pas avec le voleur. Pour quelle raison? On m'a dit qu'on attend, on attend le retour. On attend quoi? Qu'il avoue la vérité? On attend patiemment. On la connaît, la vérité. Pourtant. Je vais déposer encore une carte ici. Soit que c'est un partenariat qui lui crée des ennuis, soit qu'on me présente une personne qui a peur de s'engager. Le thème du couple, là, oh, ça lui demande énormément d'énergie. Donc là, on nous parle d'un changement important et on nous présente la carte de la lumière, authenticité. On dirait une nouvelle rencontre. On change de voie. Donc là, on dirait qu'on me présente le voleur qui met fin à ses ennuis. C'est pour ça qu'on ne recevait pas de ces nouvelles. Il est en train de mettre fin ici à une union, un partenariat. Ça lui demande beaucoup de son énergie actuellement. Mais il se prépare pour cette nouvelle relation. C'est ça ici qui est en train de se passer. Je vais déposer une carte. Donc, ça lui demande beaucoup de son énergie. Il est en train de faire un ménage. Il met fin aux ennuis concernant un lien. Bon, je ne sais pas s'il y a eu malhonnêteté. C'est tout de même la carte du voleur. Comme on pourrait nous dire que, ouf, ça lui demande beaucoup, là. C'est pour ça qu'il ne communique pas avec toi. Parce qu'il est en train de régler ses affaires. Il attend avant de communiquer avec toi. C'est pour ça que c'est le silence en ce moment. Et c'est un nouveau départ. Par la suite se présente le changement important. Un changement de voie. La lumière représente la joie, l'authenticité, l'amour véritable, la sincérité, la franchise. Fascination, on a commencé comme ça. Sa vraie nature, nature véritable, authenticité. La joie, profond contentement, succès. Je vais déposer une carte ici. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Repartir ou... Un changement ici. Un changement de voie. La fin des ennuis, c'est ce qu'il est en train de faire. Je dis « il » parce que c'est le voleur que j'ai vu, mais rappelez-vous, vous pouvez adapter, là. Il, elle, vous adaptez selon votre réalité. Donc ici, il est en train de mettre un terme, mettre fin à ses ennuis.
Il est en transformation. Énergie de la fin, de la séparation. C'est pour ça que tu ne reçois pas de ces nouvelles. C'est spécial, l'énergie du voleur qui est quand même là, là. Donc là, la prison, la courte maladie, prisonnier de quoi? De son corps. On dirait une personne qui souffre, isolée, qui est malade. Ici, c'est la rencontre avec le voleur qui revient, et la joie par la suite, et le respect. C'est spécial. C'est quelque chose qui revient. Rencontrer le voleur. En amour avec le voleur, en amour avec le bandit. Si le voleur représente bel et bien le bandit. Donc, on serait en train de me présenter une personne qui change de voie, qui emprunte la voie de l'amour et qui est en train de régler ses affaires, de sortir de sa prison. On dirait qu'il a des problèmes de santé. Il s'isole. Mais là, il va sortir de son isolement parce qu'il y a rencontre. Et la joie, le bonheur, la satisfaction, l'abondance, la reconnaissance, le respect. Fasciné par le vrai, l'authenticité. Donc, d'après moi, on devrait avoir... Il y a une personne ici qui devrait recevoir des nouvelles bientôt de cette personne qui est en train de faire du ménage dans sa vie. Donc, tu connais cette personne. Tu connais cette personne. On dirait un coup de cœur. Le voleur. Je vais piger une autre carte. Et il opère un changement, là, un changement important. C'est un nouveau début. Avec l'amour au cœur. Et la joie. Il est en train de régler ses affaires. Il change de vie. Il se libère de son passé. Univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je vais vous lire le message. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre.
Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.